Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, Shane, encore parfio. Toujours des trucs intéressants. Donc, on est déjà à la 89-502 de référence de taré. De toute façon, chez Windows Cura, ça a toujours été comme ça. Mais, franchement, c'est un petit truc tout sympatoche. Moi, j'aime bien. Oui, c'est bien. 80-102. Oui, c'est bien ça. Une fois 18 watts TLD. Oui, alors, c'est pareil. Ils aiment bien ça. Ça a l'air délire. C'est toujours les micro-tubes fluo. Style micro tuflu 18 watts, des petits trucs comme ça, des machins, des PL. Ils aiment bien mettre tout partout, des machins comme ça, des AGS, des Marbella en fluo. C'est une dinguerie chez eux. Alors il y a les circlines, il y a les trucs fluo, des Kegel en fluo. C'est une dinguerie. Donc là, nous allons voir une petite Industria. Moi j'aime bien Industria Rotterdam. J'en ai vu là-bas, et comme ça en version SOX. Et franchement, pas mal. Bon, bien sûr, il y en a certains qui s'amusent à mettre des trucs 18 watts dans un truc comme ça aussi, dans un paquebot, c'est trop rigolo. Mais ouais, franchement, j'ai pas mal de photos du Pays-Bas avec ces modèles-là, donc je suis bien content. Donc, du coup, un petit peu le machin. Donc, c'est un pseudo parfluo moule à cake, mais par contre, il est en fibre de verre. Ah, ça, j'adore. Ah, je vous garantis. C'est magnifique quand on va voir le truc le bronzé. Ah, ça, c'est mon petit listing des familles. Voilà. Donc, oh, fibre de verre, magnifique. Oh là, c'est magnifique. Donc, un petit peu le truc. Donc, c'est bien, j'aime bien. Un beau petit modèle. Franchement, il n'y a rien à dire, le petit Industria Rotterdam. Là, par contre, il y a version différente. Observer résistance chimique nettoyée seulement avec tissu humide. C'est vraiment rien à voir, mais... Ça, c'est une traduction de Tari. Pourquoi? C'est observer résistance chimique. Observer résistance chimique. Je vois pas pourquoi il faut observer une résistance chimique, bon. Nettoyer seulement avec tissu humide. Un petit coup de gant toilette, c'est suffisant. Ah, c'est carrément du marqué, en fait. C'est des étiquettes, c'est trop drôle. 89, on dirait quelle date. Bon, le vasque, hein, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, c'est des crochets. Bon, pareil, espèce de magin, bien sûr, une vasque légèrement jaunie, donc c'est du polycarbonate. Mais chez eux, au polycarbonate, c'est pas comme chez nous, chez Thorn et compagnie, ça tient le pari. Alors, par contre, je regarde comment ça se trouve. Ouais, c'est comme ça. Je vérifie quand même. Alors regarde quand même comment ça s'ouvre. Que je fasse pas n'importe quoi et que je claque un truc. Que j'ai pas envie de niquer le luminaire à Dorian. Ah, ça. Vraiment, je fasse gaffe. Voilà. Parce qu'en fait, les problèmes, c'est que les crochets sont très secs. Les crochets sont très secs. Et on a vraiment peur de les casser. Voilà. L'engin du délit. Voilà. Oh là, ça pue le... Ça pue le plastique, genre une espèce de plastique cramé, là, le plastique chimique. Voilà. Oh, c'est vraiment traditionnel Industria, des trucs tout sympatoches. Hein. Petit Philips, hein, traditionnel, les petits dominos, les petites dodouilles des familles. Alors, oui, alors là, il faut un gros tournevis. De là. Bien sûr, paf. Un petit tour et puis s'en vont. Voilà. Voilà. Alors, ça, tac. Tac. Bon, en fait, ça fait le taf. Ah, chaîne, c'est frais. Là, donc, je vais le mettre comme ça, le truc. Voilà. 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 Ah, ça pue le cramé ou le condo. Ah, d'accord. Il dirait que le condo il fuit ou je sais pas quoi. Parce que ça pue vraiment le vous savez le. Wallé. Mon dieu. Heureusement qu'il y a du jeu là-dessus. Mais ce que je veux dire, non. Il y a peut-être moyen de le défaire le truc. Je vais regarder. Parce qu'en fait là je suis en train de triturer le bordel. Je vais regarder simplement si ça se défait ou pas. Je suis con. Ça se défait, il y a des crochets sur le côté. Là. Je vais pardon, faire gaffe. Je vais tenir un crochet. Voilà! C'est con, mais évident.
Voilà. Donc, on ferme ça. Par contre, j'évite de mettre dedans mon enfant. Je vais faire engueuler par Dorian, sinon. Voilà. Donc, le petit broderie. Alors, je ne comprends pas, c'est vrai. Il y a un micro-condo qui a été mis dessus, alors qu'il y a un gros condo là. Par contre, là, celui-là, il est à moitié décapsulé. Mais c'est de quelle année? Je ne vois pas. Je ne vois pas la date. Date de quoi? Datum 81. 81. Bien sûr, hein, c'est un travail soigné. Vous voyez, c'est le câblage bien propre, bien comme il faut. C'est propre, c'est magnifique. J'aime bien ces systèmes de câblage. Bien sûr, il manque le jambon, phase neutre, la terre, hein, ça change pas. Mais par contre, c'est vraiment drôle. Alors, je sais pas ceux-là s'ils sont remplis d'huile ou je ne sais pas, mais comme c'est complètement décapsulé là, quasiment là, c'est violent. Alors après, ici, c'est un petit ballast. Une fois 40 watts ou deux fois 20 watts. Mais c'est perturbant. Pourquoi? Parce que c'est une fois 20 watts, une fois 40 ou deux fois 20. Et il y a, je crois, qu'un tube dedans. Alors là, faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique clairement. Comment que ça se fait que c'est un machin spécial une fois 20 watts? Ah, si, une fois 20 watts de disponible. Ah, ah oui, c'est quand même chelou. Une fois 40, deux fois 20 ou une fois 20. Ah, je ne sais pas comment que c'est possible, mais bon, apparemment, il y a que deux sorties. Mais bon, c'est pas foufou, hein. Après, le système tout sympatoche. Condo, je me demande ça sert à quoi. Mais bon, le condo, il fait aussi un peu la gueule. Hein, c'est quand même chelou. Donc, à mon avis, il y a quand même pas mal de systèmes qui ont été bidouillés dessus. Et bien sûr, ça a claqué. Mais voilà, non, c'est quand même impressionnant de se dire ça. Bon, je vais essayer de le refermer quand même. Parce que bon, le problème, c'est que je vais me faire défoncer si je remets pas le bordel. Nya, nya. Mouah, nya, 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 nya. Par contre, je regarde pas moins que ça se remet ce truc là, ce bourré. Donc là, pof, ça se remet comme ceci. Je vais le remettre proprement, sinon il y a des merveilles. Gna gna. Donc on va remettre ça là et on va mettre le truc ici. Pof, c'est rapide, clair, simple, efficace. Je fais ça. Pof, tac, tac, tac. Pour les deux, mon enfant. Doucement, t'excites pas la minou, t'excites pas le minou. Voilà, c'est fait. Pof, on visse. Franchement, c'est super bien ce machin. Wouhou! J'ai rien eu, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Dorian, si tu regardes la vidéo, m'engueule pas. Il n'y a rien de touché, ni rien de cassé. Voilà. Voilà, hop. Ah, ça, c'est comme les charnières de porte. C'est super, ça. C'est instructif. Voilà. Voilà, on met ça. Voilà, on fait vraiment. Voilà. Et on fait ça, voilà. Donc, un petit peu le truc. C'est magnifique, c'est impressionnant. Je regarde et j'ai quasiment plus de batterie. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc, c'est toujours les mêmes choses. De l'industria, ça fait zizir. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... C'est quand même intéressant, ça. Ah, pas faux.